Là, on est à Jette sur le tournage du film « Ma mère est folle » de Diane Curis. Où Vianney est comédien. Ouais, un escroc. Premier rôle. Un vrai escroc. Ouais, premier rôle. Et ça m'amuse beaucoup, voilà. J'ai une partenaire qui est fabuleuse, en la personne de Fanny Ardant, avec laquelle je passe de vrais bons moments, quoi. Très heureux. La réalisatrice Diane Curis est exceptionnelle aussi. Pour un premier film, c'est génial d'être dans ces conditions-là. Je prends beaucoup de plaisir à jouer, voilà. À jouer quelqu'un qui ne me ressemble pas du tout. Et c'est ce qui me plaît, ce qui me fait du bien à la tête. Voilà. C'est-à-dire, comment est-il ? Bah, c'est un mec, le gars que je joue, il est chiant, tu vois. Il fait la tronche tout le temps. Il est assez mauvais esprit, tu vois, souvent de mauvaise humeur, surtout il n'aime pas sa mère. Et il lui fait sentir tout au long du film. Voilà. Donc c'est un personnage assez triste. Et c'est ce qui est la difficulté pour moi, elle est vraiment là. Hein. Je pense jouer un mec positif, je pense que j'aurais nécessairement moins de mal. Ça faisait plusieurs projets qu'on me soumettait et celui-là, je ne sais pas, il avait un truc. Sympa, et puis il y avait un rapport humain avec Diane et puis avec Fanny qui était très précieux dès le début. Voilà.